Hello, c'est Laura de Make It Make It. Aujourd'hui, nous allons réaliser les boucles créoles du kit Make It Make It du mois de septembre. Pour réaliser les créoles, commencez par ouvrir votre boucle en tirant légèrement, puis insérez 15 perles de rocaille dorées au sein de la boucle. Vous pouvez désormais enfiler les 5 perles en pierre naturelle, soit verte, soit bordeaux, selon la teinte que vous aurez choisie. Enfilez à nouveau 15 perles de rocaille dorées pour terminer. Il faut maintenant fermer la créole. Pour cela, je vous conseille d'utiliser une pince et de serrer bien fort. Vous pouvez aussi coller si vous le souhaitez. Maintenant, vous allez utiliser le fil métallique très fin qui vous a été fourni dans le kit pour réaliser 10 tours entre les perles de rocaille et les perles naturelles. Sur votre fil de laiton, enfilez 5 perles de rocaille, puis passez au-dessus d'une perle naturelle et réalisez 5 tours autour de la créole. Réalisez la même opération autour de chacune des 5 perles naturelles. Lorsque vous arrivez au bout, réalisez 10 tours, puis faites demi-tour pour former les pétales restants. Une fois arrivé à la fin, il ne vous reste plus qu'à faire quelques tours, puis couper les fils qui dépassent. Utilisez le petit trou situé en haut de la créole pour enfiler le support de boucle d'oreille. Et voilà, votre boucle est terminée. Il ne reste plus qu'à en faire une autre pour avoir votre paire. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre box Make It Make It pour seulement 16 € par mois. Vous recevez un kit et toutes les dernières tendances du do it yourself dans votre boîte aux lettres.